Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va bien. Avec notre tout nouveau plugin qu'on a mis en place, là, je suis content. Et je suis en compagnie de Lipki. Bonjour Tado, comment vas-tu? Ça va, Je fais Lipki? comme à la télé, c'est comme si on s'était jamais vu avant. Oui, on se fait des bisous ou pas? Bah voilà, c'est exactement. Hein, Tu sais trois chez moi hein, en que tu n'as Normandie. pas ton bon skin, c'est ça qui est un peu bizarre. Ah, c'est vrai, mais j'ai mon armure. Oui, t'as ton armure, ça passe. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une petite visite du serveur de la FarmCraft, comme vous l'avez vu, avec le tout nouveau plugin qu'on a codé là, qui se met en plein écran. C'est sympa, c'est un truc à la con, hein, mais c'est pas très grave. Et avec aussi les petits messages de join qu'on a rajoutés. Voilà. Alors, on va d'abord faire un petit tour en bateau. Attends, je vais essayer de monter le son du. Non? Monte le son. Vas-y, mets du son. Un petit tour en bateau parmi la grotte. Oh, il y a du spawn là. Il y a du spawn là, mon petit Lipki. Je sais pas si t'as Ouais, vu. bah y a des petites grottes, alors faudrait que je les protège avec un truc. Ouais, il faudra qu'on regarde ça. Y a que ça comme spawn, ça va. Et ici, on est à travers les fermes que vous allez voir rapidement de loin. On va dire ça comme ça. Là-bas, la ferme d'Aza. Azalaïs. C'est ça? Je retiens jamais. C'est pas possible. Il y a un poulet. Non, je crois que ça se prononce non, mais tu peux pas casser ton bateau ici. Ah, Prononce c'est cool. différemment, c'est Azalaïa, je sais plus quoi. Mais il faut dire Aza, c'est plus simple. Oui, c'est hasard. Alors, On et va on. la croiser la ferme d'Aza. On va passer dessus. Oui, On va oh, passer c'est sur la juste. ferme, évidemment. On Et va pas passer sur Aza, ça se fait pas. c'est chez qui là? Guilford? Guilford. Guilford? Guilford? Prout, machin. Voilà. Alors, je vous Exactement. annonce tout de suite que les pseudos seront mal prononcés. C'est le principe de base. Si je prononce bien les pseudos, c'est pas bien. Et voici là le joli moulin. Il est canon ce moulin. D'Aza. Ouais, il est classe. Et maintenant, il faut Avec réussir. le superbe champ en bas. Il faut Passe réussir. en premier sous le pont, comme ça tu fais comme moi. Ah, wow, du premier coup, dis-moi. T'as filmé ça? C'était Ouais, beau. j'ai filmé ça. Par contre, moi, c'est un peu plus la galère, hein, comment te dire? Oula! Je me suis fait TP en dehors du pont. Voilà, je suis passé. Ouais, excellent. Donc là, Et. tu te retournes et tu regardes le champ, le moulin, c'est magnifique. On a deux moulins, on a un moulin avant et à côté on a un moulin à eau. Ouais, c'est canon, hein. J'aime beaucoup ce type de décoration là. Et là, on va passer maintenant en dessous du pont en S, le célèbre pont en S qui vient d'être fait. De Guildford aussi d'ailleurs, qui n'est pas encore terminé. Qui est toujours en construction. Pas compère qu'il faisait. Ah, c'est peut-être qu'on perd, exact. Tu te trompes sans doute. Et là, la superbe montgolfière en poulet. De gauche, tiens. Grosch-toi. Grosch-toi. Donner des noms. Bah, tu prononces beaucoup mieux les pseudos que moi, de toute façon. Oh, ouf, là, ici, il faut pas vouloir se croiser. Hein. Ouais, non, là, ici, c'est un petit peu. C'est pas phare élargir un peu. Là, on passe à côté de la maison de Moblinus. Et au À loin, on gauche. voit la ferme à bois. Ouais, on commence à voir le dôme de la ferme à bois, ouais. On passe à côté de la parcelle de Fabélé et Roro. Oh, et là, c'est chez Tungsten. La tungstène. Très très jolie ferme d'ailleurs. Je sais pas ce que t'en Bah pour penses. l'instant, les gens qui nous regardent vont pas pouvoir en juger vu qu'on voit absolument rien, juste des bouts qui dépassent. Et on va Et arriver de verra mieux tout nuit à en l'heure. ville. Ce Ça, qui est ça. pas mal. Donc là, on est Ah, chez par contre, Fab et Roro. on va pas tellement aller pouvoir aller plus loin parce qu'on a un pont qui est trop bas et il va falloir qu'on surélève un peu. What? Oui, mais non. Moi, je voulais. Je m'en fous, hein. Je m'en fous. Ça, regarde. Moi, je vais te le faire à ma façon. Hein. Pop! Pop! Rien à foutre, moi, les pieds. Je suis passé! Ah d'accord, j'arrive, j'arrive. T'as vu le talent? Et là-bas, le moulin que Super. Chrono et Moblinus nous ont fait à deux, de mémoire. Plus ou Ouais, moins. Ouais. essentiellement. Ils ont été aidés par plein de joueurs. Mais essentiellement, Chrono. Et maintenant, on arrive en ville avec les champs à louer là. Et Là-bas, on a la vue sur la mairie. Hop, vous au avez les plan champs à sol. acheter. Et puis le superbe petit pont de bois qui ne tenait que plus guère que par un grand mystère. Et deux piquets tout droit. Et Est-ce que tu connais? beaucoup de magie de Minecraft, je connais. Je peux pas te certifier que je peux te citer les paroles par cœur, mais faire la musique. Donc là, vous avez les différents champs. Hop!
acheté autour du. Oui, les champs achetés. Tout simplement, ici, la maison de Ou Chachou. Chachou. Parce que Chachoufi. On voit pas la tienne, hein. Non, on voit un tout petit peu du bout de la mienne, mais on passera faire le tour après. Et les poulets. Et puis ici, la mairie. Avec son contrefort. T'as vu ça? Comme je parle bien aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, Tado? Mais je trouve que cette visite au ras du sol sur la rivière, c'est sympathique. C'est super sympa, j'aime beaucoup. Ça donne un style, une sorte de hype. T'as vu, on voit mon petit message, mais on voit ma grosse faute d'orthographe aussi. Donc ça, c'est un Oui, peu moins bien. Elle a été corrigée, c'est. rassurez-vous, j'ai corrigé le plugin. Donc ça devrait être bon. Mais c'est pas moi qui ai écrit le rejoint, en fait, tout simplement. Parce que oui. Ah ouais. Oh, tu trouves-toi des excuses. J'ai piqué un bout de code à du monde. Hop. Hop. Oh. La Toi, tu ferme à cassais pas bois, tout, hein. avec ses petits box à chevaux. D'ailleurs, il y en a un qui est tout seul. Regarde. Mais Ouais, quelqu'un a dû oublier. on ne vole pas les chevaux. Ça, Il y c'est. a, je me suppose, un joueur qui, dans quelques jours, va se plaindre que ça a disparu. Oh, on m'a Hop. volé mon cheval. Et voilà, je l'ai remis à sa position. Yep. Alors, il y a des ponts, Tado. Oui, mais en fait, j'ai été chercher, j'ai tué un truc, c'est pas grave. Hop, et alors, ce que je te propose, mon cher Lipki, c'est de se mettre le fly pour décoller ensemble et pouvoir faire une visite un peu plus approfondie des différentes maisons. Donc, ici, on a la maison. On fait des choses en profondeur, en général, on ne survole pas. C'est pas logique, on peut pas faire des choses survolées tout en approfondissant. Ici, on a la maison de Contradictoire. on ne sait pas qui. Je t'ai perdu, en fait. Je suis devant la première maison, tout simplement. D'accord. Stock. Maison qui appartient à personne. Alors, je vais me mettre en GM1 pour me prendre un bout de lézard. De cuir. On va s'en mettre en GM0. On va s'en remettre le fly. Et comme ça, on va pouvoir regarder RG Info H Shop Sud A9 avec nos super noms de trucs. Et c'est la maison d'Aluna qui Ouais, n'a c'est pas ça. de panneau. Il faudra lui mettre la fessée. C'est pas passé très souvent non plus. Bah, il était là connecté tout à l'heure. Donc il faudra qu'on lui demande de mettre un petit panneau. Tout simplement. Hop. Ici, on a la maison de Mathieu et Eloma Girl qui n'ont pas fini leur petite maison, c'est un peu dommage. Girl. Et je sais pas si t'as vu, il y a une petite maison derrière. Je me demande si c'est aux mêmes personnes. Non, c'est à quelqu'un d'autre qui a loué sa parcelle sans. Voilà. Et qui l'a mis sur Sans le bord de la route, ce qui n'est pas bien, il faut pas le faire. respecter les règles de Pas base si on peut établies. vraiment appeler ça une maison. C'est Blanc. XX Antoine XX22. Ben, pareil, c'est pas Effectivement, vraiment un joueur que je vois souvent passer. c'est une zone qui risque d'être reset à un moment ou l'autre, en fait, tout simplement, parce que c'est un peu dommage. Alors, ici, on a la maison de Good Luck 33, qui respecte par contre très bien les Les notions règles de sécurité, d'urbanisme. les règles de l'urbanisme et les notions de sécurité. Je sais pas si t'as vu, il y a une porte à l'arrière, c'est un peu bizarre, et aussi. Ça, c'est parce que c'est ça, c'est son plongeoir privé. Voilà, hop. Et il y a un petit, y a les petits contreforts là, c'est sympa, j'aime bien le. Tu vois? Alors, je vais utiliser le mot contrefort toutes les 2 minutes, je pense. C'est une bonne idée. Mais ça fait quand même un tout petit peu penser quand tu regardes le truc. Et là, une petite porte, quoi, tu vois, avec la porte à moitié inaccessible, où tu sais bien que si tu l'ouvres, tu vas te casser la gueule avec. Enfin bon. Passons chez PayPay, C'est un ma chère piège. PayPay, qui a intérêt à regarder cette vidéo. D'ailleurs, on se demande. Tu crois qu'elle a fait. C'est pour ses amants, en fait. Elle peut balancer ses amants avec les cochons. C'est ça. Je sais pas, je suis pas assez intime avec PayPay pour confirmer ou pour infirmer. Moi, je pense que ça doit être ça. Elle balance ses amants par la fenêtre. Et puis, ici. Ah, ils ont lié leurs deux bases. Tu vois, ils peuvent passer dans les deux côtés. Alors, il y a des. Mais ça part de partout. Ah, oui, d'accord, ça c'est. Là, c'est Adoum qui a acheté cette parcelle-là. Attends, Pas servi. où es-tu? Où es-tu? À côté, juste à côté. Alors La parcelle ici. non utilisée ici.
et acheté à part Adoum. Adoum, c'est celui qui a fait la maison juste à côté, là. Lequel? Là? Ok, il s'en est pas servi pour finir. Pas encore servi. Voilà. Et Adoum qui nous fait une jolie. Moi j'aime bien ces maisons qui sont un peu dans tous les types. Après, ici il y a une maison de T-Rolf qui est un peu Nerolf. plus étonnante. Ah, c'est sympa! Ouais, il a mis une sonnette sur sa porte d'entrée. C'est une sonnette Par manuelle, contre, mais c'est il a mignon. aussi fait n'importe quoi à l'intérieur de sa maison. Nous avons des poules, des carottes, des patates, dans un D'ailleurs, savon, il tout ça est tout à fait logique. Mais en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas donné de notion de temps, tu vois. Si on avait Non, dit que non. c'est une époque pas trop vieille, parce que avoir des cochons chez soi, c'est normal à la base. Oui, enfin, t'as pas des carottes qui poussent entre ta chaise et ta table non plus. Non, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Tu pourras avoir du céleri rave ou des choses comme ça, mais pas le reste. Alors, Voilà, Max Bell, peut-être. 1998, qui nous a fait une jolie petite maison là. Ah, celle-là, elle est Ou pas mal. 1998 pour les autres, enfin pour les Ouais. gens qui savent compter. Tu t'emmerdes. Je dis ça Alors. juste pour te troller parce qu'en fait je trouve que votre manière de compter est tout à fait logique comparée à la nôtre. Il a une jolie salle des coffres. Sa salle des coffres, elle est jolie. Ça, j'aime bien. Des fours au sol. Oui, mais ça, c'est habituel. Classique. Classique. Classique de ces classiques. Il a beaucoup d'étages, non? Ah non, il a son toit, donc c'est bon. Ouais, il y Et a ici, rez-de-chaussée, deux étages. sa table Et d'enchante, encore, une ouais, table ça c'est d'enchante qui, à des. mon avis, ne fait pas le. Ça fait pas 130, ça. Il a cinq tables, cinq bibliothèques. Ça fera pas l'affaire, hein. On est d'accord. Pour des petits enchantes, pour des petites protections, hein, ça le fait carrément. C'est peut-être même un peu trop. C'est bon. Bon, pour du P1, il faut rien. Hein. Gâté. Hop. Comment tu l'as éclaté? Ouais. T'as vu, beau gosse. Beau gosse. Alors, Pardon. ici, c'est la maison de je sais pas qui a un style un peu particulier. Le style fenêtre orange. Oui, avec son jardin sur son toit. Et alors, ça, c'est quand même aussi. Ce type d'escalier-là est un peu étonnant, mais c'est canon. Ah oui, c'est vrai, on monte tout seul. Ouais. Ça a l'air, on n'a pas l'impression, mais c'est un escalier où on n'a pas besoin de sauter, malgré le fait qu'il y ait des blocs qui à chaque fois. Et il y a encore une ferme. Mais pourquoi ils font tous des fermes là? Il y a des fermes à vendre de partout. Ça coûte pas Oui, cher, mais hein. je les panneaux à la plupart des maisons qui faisaient leur chance en sous-sol, en leur disant qu'il y avait des fermes à louer. Et je pense qu'un jour on ira faire un comblage massif de choses. Alors là, c'est la maison de qui? Bah ouais. C'est une maison Les gens à. ne mettent pas leur nom sur les portes. C'est une Pas maison très de nains. sympa. J'ai rien contre les nains, hein. Mais c'est une Bah, maison de en nains. fait, ça dépend à quel étage tu es, parce que monte à l'étage du dessus. Je pense que c'est un couple. Le grand au-dessus et la. Exactement. Il y a un Ou géant et inversement. un nain. Non, je pense que enfin, le géant va en haut. Oui, mais ça peut être la madame. C'est pas nécessairement le monsieur. Ah, j'ai pas dit que c'était le géant ou la géante. J'ai connu un couple comme ça. La femme était extrêmement grande et très costaud. Et, enfin, pas costaud, grosse, mais costaud, clairement. Et le monsieur était tout petit, tout maigre, un peu comme moi. Pas petit. Alors ici on a la maison de Neuguen, qui aussi a décidé de faire des champs dans sa baraque. Allons-y, C'est ça. hein. Sauf que là, c'est quand même. C'est son. Là, ça c'est moins dérangeant parce que C'est une sorte c'est de sa serre. terrasse. Ouais, Ouais. c'est une serre, voilà, c'est ça. Ça passe, En quoi, tu vois. feuilles et tout. Ça a plus ou moins sa logique. Mais néanmoins, Mais bon, il y a des champs, quoi. ça récolte pas, ça c'est un Par contre, je pas t'avoue que joli. moi j'aimerais pas. Je n'aimerais pas être à moitié dehors, quoi, en permanence. Parce Oui, qu'à il y a des trous dans ses murs. mon Bah, avis, la pluie doit passer, quoi, tu dans vois. son RP à lui, on est dans un biome tempéré. Ah ouais, mais vraiment tempéré, hein, parce que. Ah Et ouais. alors, je sais pas si tu vois, mais viens voir. Ça, c'est canon, par contre. Quand il pleut dehors, Ça eh fait des ben, gouttes et du coup ça hydrate le sol, effectivement. c'est pas mal, hein. Sans pour autant avoir la pluie dans la tronche. C'est C'est bien pensé, quoi. pas si ça, si ça a été prévu, mais c'est bien. Alors ici, on est chez on ne sait pas qui toujours, avec une jolie oh une armure en diams là. Et qui si tu veux te servir?
Il y a un Lipki qui est apparu, il s'est TP, hein, je vous le Bah dis oui, tout de parce que suite. je t'ai perdu. Il était perdu. Ah mais purée, j'ai pas le Encore. bon texture pack! Oh Lipki! mon Dieu, t'as mis quoi? T'as mis quelle horreur? J'avais Quelle mis le mocheté. faceful, ça passe. Ça passe. Ça Non, ça passe. passe pas du tout, ça passe pas du Voilà, tout. C'est pas. voilà. Non. Regardez, voici, on se retrouve avec un meilleur texture pack. Je suis con. Est-ce que t'as la dernière version ou est-ce que pas tout à fait? Je sais pas de quand elle date. N'hésitez Comment pas apparaît d'ailleurs. l'andésite là? Elle est Est-ce que tu as des blocs différents par exemple pour ces deux andésites là? comment ça? Oui. Celle du Aléatoire bas, elle quoi. est en carré. Et là, c'est Ouais, c'est bon. trois morceaux. Là, tu as une bonne version. Voilà. Et ici, il y a... ah non, y a trois morceaux aussi. Donc voilà, comme ça, je vais vous remontrer un peu les maisons rapides qu'on a visitées avec le texture pack qu'on a placé. Qui est un peu le texture Ouais, pack enfin, qu'on c'est utilise. Alors, Weather obligé, hein. Sun, par contre, on va un peu remettre le beau temps. C'est un peu la galère sinon. Viens voir la sorcière, parce que je suis très fier de ma sorcière. Fais-toi sur moi. Tiens. Elle est pas Oh. mal. Aïe! Elle est un peu agressive, mais le côté vêtements noirs, peau verte, tout ça, ça rend de mauvaise humeur quand tu te regardes dans le miroir le matin. Alors, bon, quand j'aurai arrêté d'avoir des dégâts, vous avez ici la maison de 120 et Zaza. Voilà, c'est ça. Une des premières maisons qui a été construite, des plus travaillées aussi au départ et même maintenant d'ailleurs. Attends parce que je vais presque mourir. Avec quand même, il faut bien le noter, les deux TARDIS devant la porte. Des quoi? Les TARDIS. Ah ça. Ah, les drapeaux là. Des étendards. Pas Avec si un c'est petit jardin en fait exprès, sous-sol. mais ça ressemble à des TARDIS. J'aime beaucoup leur petit jardin en sous-sol. Ah, j'avais jamais vu, tiens. En fait, à la base, ils avaient mis des champs. Puis voilà. Que c'était Et pas une quelqu'un bonne qui idée. est. Y a quelqu'un qui leur a dit que c'était pas une bonne idée. Par Ouais, contre, enfin maintenant ils en ont plus besoin, ils ont des fers. si si, j'étais en train de me dire, ils ont pas de lit, mais si ils ont des lits. Et alors ici, ils ont un petit une petite estrade et ils pêchaient d'ici le mec. Tranquille La quoi, tu fille, vois. c'est pas Aza qui pêchait plutôt? Non non, c'est 120. Moi j'ai souvent vu 120 pêcher. Là, hop. Ouais, c'est sympa, leur petite. Ah. Alors, passons à la suite, parce que sinon on va avoir une vidéo de 2 heures en fait. Je Je crois regarde un qu'on est bien peu. parti là pour du 2 heures. Et si on fait toutes les maisons une par une comme ça, on est pas arrivé. La maison de Giroro. Qui est finie. On le dirait. Il y a un mouton ici. Tu sais pas trop pourquoi il y a un mouton qui est là. Mouton de compagnie. C'est vraiment ça quoi. C'est un mouton de compagnie. Et donc, tu peux Alors le par contre, tondre. Géroro, si tu regardes cette vidéo, la laine des moutons ne repousse pas sinon pas d'herbe à manger. Donc ça sert à rien ton système. Oui, mais il y a de l'herbe là. Mais je crois qu'il peut pas la manger. C'est pour ça que la On laine n'a dirait, pas hein. repoussé. On dirait que ça marche pas son système. Mais c'est bien J'ai tenté. déjà Par contre, essayé, j'y avais pensé, mais non, ça ne marche pas. effectivement, c'est un contrebandier. Il essaye de faire pousser de l'herbe dans son grenier. Alors, Ce qui autant tout à l'heure, on avait une serre, vraiment une serre avec. Voilà. Là, c'est pas une serre, ça c'est. C'est, il essaye de faire C'est pousser de l'herbe dans le grenier, oui. Alors, ça. Ouais. voilà. Que c'est bien égal tout ça. Non. Voilà. Alors, ici, on est chez Faberé, qu'on a plus vu depuis quelques temps d'ailleurs. Belle. Avec. Oh putain, son truc Nether complet en sous-sol là. Pour les potions. Non, je ne baille pas, Faberé voilà. qui passe pas, qui a pas la possibilité de passer souvent, mais qui passe de temps en temps quand même. Oui, je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai J'ai plus vu. l'impression qu'elle m'a dit. Avec ce Continue. magnifique plafond sol en granit posé. Oui. Continuons, continuons. La maison de Marco ici, c'est ça, hein. Avec Ah oui, des la grosses maison de lianes. Marco. Et un toit magnifique. On va le cutter d'ailleurs. Non, C'est un petit troll. attends, le pauvre, attends, il l'a refait 5 fois son toit. Toi, toi, mon toit. Ah, on le cut, on lui dit, oh merde, on a eu un rollback, dis donc. C'est dommage. Et son Oh, belle sous-sol, gueule. je pense qu'il Alors, faut. la maison de Marco est très bien. Il y a plein de choses. On ne comprend pas toujours où on est et où on va. Mais son sous-sol ici est super sympa, je trouve.
On a quand même la table de billard avec la canne et la petite boule. Juste une, hein. Juste une parce que les autres sont à l'intérieur de la table, évidemment, pour replay tout ça. On a même le serveur. Le serveur et on a le gars. Ah non, il n'y a plus le gars qui distribue les cartes. Tiens. Ouais, non. Non, on ne l'a plus. C'est la vie, pas le paradis. On a le jukebox, évidemment. Non, c'est. Enfin, je comprends pas comment il s'en sort, mais. Parce que moi, je suis perdu Oui, dedans. c'est. On est facilement perdu, mais je commence à comprendre maintenant. Tu peux monter là-haut pour montrer sa chambre. Ah oui, juste. Mais on va pas toutes les faire comme ça, hein, sinon on va pas s'en sortir. Sinon, on va faire 3 vidéos. Hein. Peu, hein, après tout, Oups. on n'a jamais fait une visite détaillée du serveur, pourquoi pas. C'est vrai. Et ses différentes armures. Est-ce qu'il a pas, il avait pas l'armure de la DDE quelque part? Je pense Donc, qu'il. l'IA baldaquin Oui, ça j'aime beaucoup par contre. et quelques armes. On en rigole, mais je trouve ça très très classe quoi. Ouais. C'est son lit à Ouais, baldaquin, moi je suis fan. ça rend pas mal. Je suis fan. Et ici un petit bureau avec une plaque de pression Un à faire. ordinateur. Un portable. Ah ouais, d'accord. D'accord. Alors là, on a la vidéo de Rockard. Il y a du boulot. Hein. Il Qui a l'avait un fait en peu fait. subi les outrages de. Bon, pas du temps, mais. Du Voilà, vent? du serveur. Oui, on va dire ça comme ça. La maison de Sam 120. Non, pas 120. Non, c'est Simver. Simver, il n'y a rien dedans. Donc on va pas faire le tour. Hein. Y Ah, mais a... c'est parce que c'est censé être des bureaux, mais ils n'ont pas encore installé les bureaux et les. Ouais, y a pas grand chose dedans. Alors ici par contre vous avez la maison de Dark, ça, qui a aussi eu un petit problème de Drac. toit. Drac, qui a Ouais, aussi eu un petit il problème de avait fait toit. son toit et Et puis. on refait parce qu'il comme qu'il y aurait un petit accident Petit accident de de parcours. serveur. Voilà. Ici, Cette on est maison-là, ça fait très longtemps chez qu'elle Ludo. est commencée. Ludo. Ouais. Alors lui, Mais. j'ai Ludo, la si dernière fois tu où il est nous passé. entends, viens finir ta maison, s'il te plaît. Ouais, viens finir, ouais, viens faire ton toit et ton étage là. Sinon, nous serons dans l'obligation de revendre le terrain à quelqu'un. Et puis bah c'est dommage, c'est triste, c'est De ne pas finir son boulot, voyons. Allez, pas hop, moche hop. parce que c'est mal parti, c'est moche parce que c'est pas fini. Alors, ici aussi, c'est sa maison de qui, ça? Monsieur Grimm qui Monsieur Grimm, n'a idem, pas même terminé. chose. On est sur un pâté de maison là qui n'est pas du tout terminé. Alors Monsieur Drake, c'est pas de sa faute, mais Bon, il va le il finir y a très trois vite, Dark. parcelles à vendre là. Écoutez, regardez, pas cher les Non, parcelles. non, il y en a que deux. Parce que celle-là, elle est prise par Crack 02. Ah, D'ailleurs, d'accord. faudrait qu'on regarde. Je pense qu'il y a une commande sur Essentiel qui permet de voir depuis quand les joueurs ne se sont pas connectés. Et dans des cas comme ça où il y a des terrains qui sont à moitié pas faits du tout, on verra peut-être pour les remettre en vente. Ouais, alors c'est pas forcément un truc qu'on a envie de faire, mais voilà. Mais en fait, c'est juste que là, il n'y a aucune maison, il n'y a rien du tout, quoi. Donc Monsieur Crack, j'imagine que tu es venu sur ce serveur parce que tu connais Tado, tu regardes ses vidéos, donc tu regardes cette vidéo. Donc viens. Hop, construis un truc et achète les parcelles qu'il y a autour là. Hop, hop, hop. Personne d'autre les achètera. Hein. Surtout, c'est de l'air. Alors, ici, on est chez Moblinus. Moblinus, tiens, avec sa toute petite maison. Exactement, il a toujours voulu se racheter une maison de campagne plus grande pour et revendre celle-là, mais comme il est parti depuis quelques temps et qu'il est revenu depuis très peu de temps, eh ben il n'a pas encore le temps de le faire. Ouais, à mon avis, il bossera dessus incessamment sous peu. Ici, on est chez qui, là? Alors, je sais pas, il y a quelqu'un? Donc, écurie de Alors, Roro. c'est Roro et sa maison est juste à côté. Donc ça, Trois sa maison parcelles est en face. sont. Donc lui, il a eu droit à une exception d'usage pour pouvoir avoir une parcelle Il a en acheté ses face. trois parcelles, mais sa troisième parcelle est de l'autre côté de la route, je pensais. Ça passe. Si ça a été autorisé, je ne suis point contre. Ça met justement un peu de charme dans le machin. Il n'y avait plus de Alors. place autour de lui, donc. Quoi? Il n'y avait plus de place autour, donc de toute façon, et puis ça lui permet d'avoir des écuries, c'est sympa. Et alors, ici, on est chez qui? RG Info Alors là, H c'est. Shop Attends, je vais essayer de trouver. C'est Nord. pas. Nico quelque chose? Nicolas Tunt. Tra, Nicolas Stunt, exactement, je me souviens. Tout à fait, c'est exactement ça. Oh! Ça, c'est un style un peu différent. Viens voir. Tu ouvres la porte et ça descend.
Ah oui, ah, j'avais une maison, mon ancien appart était comme ça. On ouvrait la Par porte et contre, ah oui, on avait d'accord. l'impression de descendre à la cave. Ça pue du cul. Ouais. Oh, c'est surtout les poules en fait qui Bon, m'embêtent. Nicolas Stone, il n'a pas encore acheté de champ ni quoi. Enfin, il pourrait, hein, mais si, je crois qu'il n'est pas passé depuis quelques jours. Mais Pas lui. il y a un peu beaucoup de poules. Donc si tu pouvais régler le problème des poules, ça m'arrangerait. Si tu veux. Non, 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 Nicolas. Ah, Nous le Nicolas. réglerons afin de diminuer un peu ton quota de poules. Ouais, alors, de manière générale, évitez plus de 30 mobs par chunk. Ça ne sert à rien et ça ne nous apporte que du lag. Voilà. Alors, la suite. N'oubliera pas de fermer la porte, les piquets. On est chez Monsieur Kiwiku, qui est Wiku et aussi. Petit. C'est notre ami. Hein, il y a des moutons en plein milieu. C'est marrant. Je t'avoue que ça me dérange un peu moins d'avoir un mouton dans le sous-sol comme ça. Par contre, il a deux sous-sols, monsieur Kiwiku. Ah, là, le deuxième sous-sol, par contre, me pose problème, effectivement. Et comment est-ce qu'il Ça peut. va dé ça va dépendre. Il est dans sa zone, écoute. Comment est-ce qu'il peut faire deux sous-sols? Parce que oh, il y a deux sous-sols plus un toit ou quoi? Attendez, on va aller regarder au-dessus. On en profite, nous, pour faire une petite visite. Parce que oui, il a deux sous-sols plus un toit. Là, il est un Ah peu oui, non haute, sa mais maison, quand même. c'est démerdé. Parce qu'attends, comment il monte de son toit là? Problème. Ah, ici, il monte. Donc là, c'est un peu trop, mon gaillard. Va falloir que tu fasses un choix. Et en fait, le choix est assez facile. Le deuxième sous-sol, dans lequel il n'y a que des plantations et autres, il n'y a plus. Voilà. Je le vois plus. Tu connais cette possibilité-là? Alors note quand même, Tado, que c'est pas forcément de sa faute puisque sa zone descend jusqu'ici. Oui, mais c'est noté dans les règles qu'on ne peut pas. Erreur de création de zone. Je ne pense pas, je suis pas sûr. Mais de base, il peut pas, donc voilà. Et alors ici, on a la parcelle de Diku, idem, même chose que tous les Alors autres. c'est N'hésite pas, Duke, Duke. c'est Ben, pas Diku, je le c'est dis comme je Duke. veux. C'est N'hésite ça. pas à revenir très vite nous faire coucou, histoire Ça, que. il rachète les parcelles qu'il y a derrière là. Celles-ci, elles sont là pour toi, rien que pour toi. Ah ben regarde, Monsieur Kibiku, on lui parlera après. C'est ça, justement, le voici. On se croirait presque en live, dis donc. Ah, t'as vu ça? Alors, hop, ici, on va vite passer sur ma maison que vous voyez de loin. Elle n'est pas finie, donc vous la verrez plus tard. Et puis, ici. Alors, les autres maisons pas finies, tu les visites en long, en large et en travers, mais la tienne, non. Mais en fait, elle est finie. Il n'y a juste pas la déco intérieure. Tu vois, elle est finie, ma maison. Elle n'est pas si moche que ça. Hein? Non, bah alors assume-la et Un peu va trop de jusqu'au bout, hein. stone brick à mon goût, Je te mais tu as. rappelle quand même que t'es réputé pour être nul là pour faire des maisons, donc montre à Mais quel là, il y a point. trop de stone brick. Je suis un peu mécontent de la stone brick. Je trouve que c'est trop. Alors, il faudrait que j'arrive à remettre un peu de bois. Regarde, si tu mets des stone brick ciselés là au centre, là où sur Ici? des poteaux, Des stone là brick où ciselés. pour créer de la variété. Ouais, il faudra qu'on regarde. On regardera ça. Tout à l'heure, là, c'est chez Chachou. On va pas non plus faire la visite. Pour éviter de prendre trop de temps, parce que là ça fait quand même plus d'une demi-heure qu'on tourne déjà. Yep. Continuons ensemble. Il y a la maison de Marie et Matt, nos mariés. Hein, vu qu'on se l'a, on les a mariés quand même, il faut quand même en parler. Ah oui. Une maison aussi, il faut pas être gros pour vivre ici. Hein, c'est une maison maigre. XP Blade et Marie. C'est Donc vraiment. voilà, si vous avez suivi, je crois que c'était. T'as Mais fait une je. vidéo pour ça, hein? Ouais, je ne vous l'ai pas mis encore, donc peut-être que je la mettrai au montage. Qui sait? Ok, donc on a eu un mariage et Tado a marié. Ouais. C'était magnifique. Oui! Sauf Tado, puisque. Non, Regarde. les mariés étaient magnifiques. Regarde ce qu'on va faire, les petits. T'es prêt? Eh ben, maintenant, pouf! Va y avoir leur mariage. Musique! Parce que celle-là, elle est pas là. Ah, si, c'est là. Ouais, silence!
Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui rassemblés dans ce bureau. Bon, il n'y a pas d'église. Pour célébrer le mariage, hasard, culte-toi, on dirait qu'on va se tromper. Entre Monsieur XP Blade, je ne me suis pas trompé, et Madame Marie, Marie 008. Je fais ça bien, Lipki. Réponds pas, hein, surtout, connard. J'ai répondu, mais j'ai répondu tout bas. Bon, ça va, c'est super. Nickel, continue. Je sais pas ce que je dois dire après. Le mariage est un acte sacré, batati patata. Le mariage est un acte sacré. Non, mais vous êtes pas dans une église, là. Oui. Bah oui, mais... Un discours, pas que s'empêche, là. Taisez-vous. Ils ont envie de faire leurs vœux, et puis voilà. Taisez-vous. Les sushis. Je vous invite à faire vos vœux, monsieur. Là, il faut parler, hein, ça marche pas, sinon. Ouais. Ah oui, t'avais pas prévu ce coup-là. Hein. Est-ce pas du que tout. Tu comptes la supporter pendant au moins 2 semaines? Bah oui. Enfin, oui. 2 semaines. Bon, alors, je t'explique. Il faut dire, Marie, je te prends comme épouse, machin, bidule, chouette, pour le bonheur, pour le meilleur et pour le pire, enfin, surtout le pire, parce que le meilleur, ça n'existe pas. Allez, go. Bon. Enchaîne. Marie, je te propose. C'est pas gagné, hein. Bon, on va passer à madame. On va dire que monsieur l'a fait. Est-ce que le con qui balance des saumons partout peut commencer? Madame, c'est à vous. Tu as le droit de changer d'avis, Marie. De dire quoi? La même chose. Avis de mariage ou quoi? Mon cher X-Blade, je veux prendre pour épouse, pour le meilleur et pour le... Pour époux. Pas pour épouse. Pour le meilleur et pour le pire, dans le bien et dans la colère, machin bidule, chouette. Tu démerdes. Voilà, c'est plus rapide. Mais non, okay, ça va pas. Réponds, je le veux. Oui, dis je le veux. Moi? Oui, d'accord, c'est bon. Est-ce qu'on a des alliances quelque part, s'il vous plaît? On prend quoi comme alliance? Oui, je leur ai donné tout à l'heure. Vous échangez les alliances. Hop, on échange les alliances. Voilà, c'est bien. On va jamais y arriver. Alors, vous allez signer le bouquin. Quelqu'un le livre? Le livre? Non, il y a personne. Trop cher. Attends, je vais faire. Je Merci. Reviens. Voilà, vous signez le livre et vous me le passez après. Et est-ce qu'on a une enclume? Ce serait marrant. Oh, c'est con, on aurait dû prendre un bouquin et faire une enclume. C'est pas grave. C'est bon, vous avez signé le bouquin, vous avez signé là. Mais est-ce... Attendez, c'est qui lui? C'est Hulk. La mère. Voilà. Il a une enclume. Ah, c'est con. Tiens, il y a une enclume là devant. Tu signes. Comme ça, ça fera un truc. Ouais, mais il y a qu'une personne qui peut signer. Tu te tais. Vous signez à deux. Oh. Vous renommez le bouquin deux fois, par exemple. Tu mets les deux noms. Ça ira. Ouais, voilà. Ça fera office. Est-ce qu'on a des témoins? Je suis témoin. De Jéhovah. Non, pas de Jéhovah. Non, les autres. Je suis le témoin. Bah, moi, je choisis les témoins. C'est pas à nous, hein. Mais oui, mais c'est pas... Normalement, c'est les mariés qui choisissent leurs témoins. Mais... Et bah, moi, oui. Je suis plus... C'est joli. Bon, est-ce bah, il y a Aza qui est prise pour Marie et après, bah, Xeno. Moi, je suis pas. Techniquement, les témoins signent aussi. Ouais, moi, mais là, c'est pas possible, il n'y a plus assez de place. Et je vais au j'ai 5 après. Bon, est-ce que le public peut rester assis, c'est bon. Oui, est-ce que le public peut descendre de la table? Merci. Bon, vous pouvez niquer. Embrasser la mariée. Je vais me tromper. Embrasse-les. Il n'y a plus assez de place. Chez Mignon. Du bonheur et de la sauce. Balance tout. Les autres en soirée, je vous propose d'aller faire une haie d'honneur dehors avec du riz. Allez, go, c'est bon. Est-ce que quelqu'un a mon bouquin? Eh, mon charcuterie. Ouais, ton bouquin il est poutu, hein, on s'arrangera. Mais jamais. Robert, ton cœur. Il est marié, vous pouvez sortir, on va s'arrêter là. Remets tes vêtements, s'il te plaît. Voilà, et vous pouvez sortir. Faites une haie d'honneur. Mettez-vous de chaque côté de la route. Prends du sucre. User joined your channel. Trop rapide quand même. Le mec il se connecte au même moment. Eh ben félicitations. Ouais, salut. Ouais. C'était mon premier enterrement.
Pas sincèrement, c'est pas grave. Héros, voilà. Et vous avez eu le mariage. Vraiment, c'était émouvant. C'était ouais. émouvant, surtout la partie avec les œufs. Ouais. Oui, je m'en souviens plus, hein, moi je te le dis tout de suite. Et je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point les vœux des mariés étaient profonds et engagés. C'est là quand même que tu espères que j'ai toujours le record. Parce que sinon, on est dans la merde. Sinon, c'est-à-dire qu'on parle pour rien. Mais je pense que je l'ai toujours. Il doit être là. Je pense. Bon, alors parce ici, la maison de vu, notre cher... Gifford, non ? C'est Guilford, oui, c'est la maison de Guilford qui a été refaite il n'y a pas très longtemps, il y a deux jours, à peine, mais un jour. Je te jure que moi je vais lui proposer de faire ma déco chez moi. Je l'engage là tout de suite.